Il fait froid l'hiver. Puis là, si t'as les lèvres sèches, là, frenché, ça va être difficile. L'huile à lèvres. Ça, c'est mon conseil. Ce qui me plaît d'une date en hiver, c'est qu'on peut être cuddle. On peut se coller. Je faisais beaucoup de planches à neige, mais j'avais toujours pas eu de genre de ma snowboardeuse. C'est un peu un genre de fantasme. Vraiment l'après-ski, là. Typique. La fois que j'avais fait le petit sentier là, en patin avec un gars, j'étais vraiment pas à l'aise sur mes patins, mais je voulais quand même impressionner le gars. Il voulait me tenir de même dans ses bras, fallait que je patine en même temps. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, ça va vraiment pas bien. J'ai tombé, puis il m'a coupé la jambe avec son patin. Une date marquante que j'ai eue en hiver, ça a été une date surprise, en fait. Je devais me rendre à différents endroits. À la fin de la soirée, il a manqué d'électricité. Mmh. On a juste décidé de passer le reste de la soirée devant le foyer sur une peau d'ours. Il y avait vraiment une peau d'ours. J'avais un show avec Karim, l'hiver dehors. Il y avait des igloos, il y avait des DJ, il y avait vraiment un vibe. Puis j'ai demandé à une fille que j'avais vue 2-3 fois, qui est devenue ma blonde pendant des années après. On a dansé des slow sur scène, tout le monde dansait. Karim a fait ses tunes les plus romantiques. C'est le genre de moment magique que je vais me souvenir toute ma vie. Comme première date, je crois que j'irai dans un petit café super cosy pour vraiment vivre l'ambiance qu'à l'extérieur, peut-être il y a de la petite neige, il fait froid, les vitres sont embuées, puis toi, t'es là avec ton petit café, genre, c'est vraiment cute, cosy, c'est très agréable pour une première date. Deuxième date, faire une activité. Ose sortir de ta zone de confort. Monter une montagne, c'est toujours winner. Discuter des oiseaux, c'est quand même très smooth. Tu vois beaucoup de choses en montant une montagne. Es-tu quelqu'un qui chiale quand il monte? Es-tu quelqu'un qui chiale pas du tout quand il monte? Mon chum m'a emmené à une date, OK? On a fait des glissades en tube. Il faisait tellement froid, c'était tellement pas nice, mais en même temps, c'était quand même nice au final parce qu'on a tellement ri. Pour vrai, c'est notre date que j'ai le plus eu de fun. Je suis sortie de là comme dégueuse, là. Les cheveux tout croche, genre tout mouillé, mais j'ai tellement eu de plaisir, puis j'ai crié, puis on a ri, puis ça nous a vraiment rapprochés. Ce que je trouve le fun de faire des dates en hiver, justement, c'est que ça ajoute le côté plus vulnérable, peut-être, de vouloir s'arranger, de vouloir être parfait, de vouloir performer, parce que là, t'arrives un petit peu comme ça, t'es comme, hey, excuse-moi, là, ça marche pas, là. Comme quand tu vas te baigner l'été, je vais avoir des cheveux tout croche, mon maquillage va couler. Le froid fait un peu la même chose. Il y a un genre de j'ai eu froid, la face rouge. Tu te mets à comme exposer quelque chose de toi qui brille. Je pense qu'en général, j'arrive toujours habillée en mou. J'ai tout le temps froid. Qu'est-ce qui fait en sorte que la date fonctionne pour moi? S'il y a certains compliments, c'est le fun de complimenter l'autre comme c'est le fun de se faire complimenter aussi également. Quand on réussit à catcher vite l'humour de l'autre puis qu'on réussit à rigoler vite, humour. Numéro 1. Si ta date veut que tu ailles voir un match de hockey. Un match de hockey, c'est dans les arénas qui font les meilleures poutines, je vous le garantis. Comme c'est vraiment cool. Allez-y pour la bouffe.